are moving. Vous m'entendez bien? Do you hear my microphone? It's good. J'ai réalisé il y a pas longtemps que habituellement j'avais l'habitude de faire un chant avant de ma prédication. Not too long ago, I remembered that I like to do a song before I start preaching. Et ça fait à peu près un an que j'ai pas fait. And about a year, starting about for bon, about je, one year, je, je me I dis exceptionnellement aujourd'hui, je vais refaire un chant avant. So I thought to myself, why not do a song before my preaching? Joyeux anniversaire, Pasteur Robert. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Pasteur Robert. Que c'était exceptionnel. So, that was just a very special song. Alléluia. Père très saint, nous te remercions pour ta sainte présence. Holy Father, thank you for your holy presence. Nous savons, Seigneur, que c'est la période que tu as choisie, que tu as faite. We know that this is a time that you have chosen and created. Et Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que tu as fait durant ce jeûne. We are so thankful for all you've done thus far in the fast. Et nous savons que nous arrivons dans le dernier tiers de ce jeûne. We know that we're entering into the last week. Et je sais que tu vas nous propulser, Seigneur. And I believe you are going to propel us. De façon avec une façon que nous n'avons même pas pensé. In a way that is unexpected. Et merci, Seigneur, parce que tu as préparé nos cœurs aujourd'hui. Thank you because you have prepared our hearts today. Pour recevoir cette parole qui était dans ton cœur. To receive the word that is in your heart. Seigneur, je prie afin que tu saisisses nos cœurs ce matin. I pray that you would captivate our hearts. Saint-Esprit, tu nous donnes des oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire. Holy Spirit of the living God, give us ears to hear. Afin que ce que nous allons entendre produise la foi en nous, Seigneur. So that what we hear produces faith. Pas seulement l'espérance. Not just hope. Mais une foi inébranlable. But an unshakable faith. Quel que soit ce qui sort de ta bouche, Seigneur. No matter what comes out of your mouth, Lord. Nous allons être saisis par ta parole. We will be captivated by your word. Et nous n'allons pas permettre à ta parole de tomber à terre sans effet. And we will not allow your word to fall to the ground without having an effect in our lives. Mais nous avons cette assurance, Seigneur. And we have this assurance in our hearts. Qu'à chaque fois que tu envoies ta parole. That every time you send your word. Elle ne revient jamais à toi sans effet. It never comes back to you without effect. Merci pour le cœur de chacun d'entre nous. Thank you for the heart of every person. Aussi bien ceux qui sont en présentiel que ceux qui nous regardent par Internet. Those who are in the room and our Internet community. Des cœurs préparés. The hearts are prepared. À recevoir la semence dont nous avons besoin pour ces temps particuliers. To receive the seed of your word for this particular time. Et merci, Seigneur, parce que comme tu l'as dit, tu révèles ton Église. And as you said, you are revealing your church. Cette Église de 2021. This is the church of 2021. Qui prend un tournant, Seigneur, décisif. That is at a turning point which is decisive. Pour vivre pleinement ce temps. In order to fully experience this period. Ces temps que tu as annoncé dans ta parole. This period of time that you spoke about in your word. Et nous serons cette église. We will be that cette church. Église glorieuse sans tache ni ride. Glorious church without spot or wrinkle or any such thing. Cette église dans laquelle tu prends plaisir. This church that you take pleasure in. Et cette église qui est positionnée. A church that is positioned. Avec les armes offensives et défensives que tu as mis à sa disposition. And equipped with the offensive and defensive weapons available. Cette église qui est une lumière dans les ténèbres. The church that is a light in the darkness. Et cette église qui prépare ton retour, Seigneur. A church that prepares your return. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus we pray. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Ben, ce message, c'est la suite de la semaine dernière, vous vous souvenez?
So this is the second part of my message started last week. Donc la semaine dernière, j'ai été un peu présomptueux en pensant que j'allais pouvoir le terminer en une demi-heure. I was a bit presumptuous thinking I could do one message in just 35 minutes. Mais je crois que le Seigneur nous a fait exprès pour nous permettre de nous préparer, de digérer un peu ce qui a été dit la semaine dernière. But I believe God did that on purpose so that we could digest the first half before we listen to the second half. Donc c'était le premier jet, j'allais dire, de ce que vraiment le Seigneur veut nous dire. So it was the first part of what God is trying to tell us as his people. De la façon dont Dieu veut nous préparer pour cette saison. In, especially in order to prepare us for this season. Et je crois que le Seigneur, à partir de dimanche prochain, il va nous propulser. And starting next Sunday, the last Sunday of the fast, God will propel us. Il va nous propulser dans l'avenir et dans la destinée que nous avons en tant qu'Église. Propel us into our destiny as a church. Et je crois que c'est dimanche de jeûne de Daniel. And it is the fast, the period of fasting, the Daniel. Donc vraiment un lien. These Sundays have a real key. Et une cohérence par rapport à ce que le Seigneur veut faire. And they are very specific in what God wants to do. Donc il se trouve que les deux dimanches où je partageais la parole de Dieu, celui-ci y compris. It may be that the last two Sundays where I was sharing the word with you sont un peu des dimanches de, on va dire, de correction. Could be a little bit on the corrective side. D'invitation à la consécration. God is inviting us to consecrate our lives once again. D'une prise de conscience dans laquelle l'état de notre monde est, mais aussi l'état de notre Église. And also to make us aware of the state of this world and the state of the church. Mais le Seigneur est vraiment rempli de compassion. The Lord is so filled with compassion. Pour son peuple, car il nous prévient. For his people, because you know he warns us sometimes. Il nous prévient et il veut ouvrir nos yeux. He gives us a heads up and he opens our eyes to certain things. Et comme il a été dit tout à l'heure, Dieu veut révéler son Église. So as we said, God wants to reveal his church. Mais avant que son Église soit révélée, il faut que son Église soit réveillée. But before the church is revealed, the church has to be woken up. Alléluia. Donc la semaine dernière, nous avons vu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Last week we read 2 Thessalonians chapter 2. Que l'heure à laquelle nous vivons était une heure avancée à l'horloge de Dieu. And we discovered that the time in which we are living is well in advance on the Lord's clock. Et que l'avènement du Seigneur était très très proche. And that the return of the Lord is very close, very near. Et que les signes qui sont décrits dans la parole de Dieu ne sont pas encore tous accomplis. Now, the signs that are described in the word of God are not entirely accomplished. Notamment l'apparition de l'Antichrist. Particularly the Antichrist who de appears. De façon évidente, de façon flagrante. Obviously, flagrantly in society. Mais nous avons vu qu'il y a une partie de Thessaloniciens qui s'accomplit en ce moment sous nos yeux. However, we did notice that there is one part mentioned in 2 Thessalonians that is being accomplished right under our eyes. Mais qui n'était pas accompli à l'époque de Paul. It was not happening at the time of Paul. Et ce temps, c'est le temps de l'apostasie, ce que nous appelons l'apostasie. This is the time of what we call apostasy. L'apostasie, c'est le rejet de la parole de Dieu. It's an overall rejection of the word of God. Le rejet de la parole de Dieu par les nations du monde. Particularly by the nations of the world. Et ce temps a été prophétisé aussi dans Psaume chapitre 2. This time was also spoken about in Psalm chapter 2. Qui nous dit pourquoi les nations s'agitent-elles? Why are the nations in an uproar? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Why is there so much tumult and problem in the world? Et on voit que les nations ont rejeté ce joug. And we realize it's because the nations have rejected the yoke. Ce joug doux et léger de la parole de Dieu. The yoke that is easy, the burden that is light. Il semblerait que les nations qui sont basées sur, qui ont des fondements judéo-chrétiens. And even the nations that have Judeo-Christian values as their foundation. Depuis 1968, ont mis un accélérateur sur le rejet des valeurs chrétiennes. Since 1968, we see even these nations starting to reject more and more the word of God. Il y a eu une accélération dans notre temps. And there's been like an acceleration in our time period. Nous avons parlé aussi de l'année 2001. We spoke about what happened in 2001. Il y a la première nation qui a légalisé le mariage homosexuel. And we talked about the first nation to legalize homosexual marriage. Nous avons aussi vu la cohérence, est-ce que c'est le hasard du calendrier où les nations ont été touchées à New York? Now was it a coincidence that happened to be the same avec le 11 septembre?
of September 11th. Où 93 nations ont été touchées en plein cœur. 93 nations were touched that day. Et nous avons vu aussi que pour un léger temps, il y a eu une petite secousse où les nations, les églises se sont rassemblées pour prier. Immediately after that crisis, churches began to rise up, more and more people began to pray for a time. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Unfortunately, that didn't last, and here we are today in 2021. Et les nations sont rentrées de plus en plus profondément dans les ténèbres. And we see the nations going further and further into darkness. Dans l'apostasie et dans le rejet des valeurs chrétiennes. In apostasy and in the rejection of Christian values. Dans le rejet values. De ce joug doux et léger. Rejection of this light yoke that the Lord pour wants prendre to un autre joug, un joug de la liberté. And instead, they accept another yoke which carries the name liberty. Qui plonge les nations de notre temps dans d'affreuses ténèbres. But which is actually propelling our nations into tremendous darkness. Et nous avons vu aussi qu'une partie de l'Église n'était pas en reste. And we also saw one part of the church. That was not, n'était pas quoi? N'était pas, était aussi dans l'apostasie, une partie. One part of the church had been spared from apostasy up until now. Mais la bonne nouvelle. Now, after all that, here's the good news. C'est que Dieu a un peuple. God has a people. Dieu a une église. God has a church. Qui, malgré ces temps difficiles, that, despite the difficult times we live in, crie à Dieu. Lift their voices. Seigneur, et pose des questions au Seigneur. And ask questions of the Lord. Et le Seigneur répond à son église. And the Lord answers his church. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. It's not time to be afraid. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. It's not time to give up. Ce n'est pas le temps de dire ouh là là, qu'est-ce qui se passe? It's not time to just fret and say, oh no, what's happening? Non, c'est le temps de vivre avec son temps. No, it is time to move with the times. Ce temps qui est écrit dans la parole de Dieu. Because these times have been written about in the Word of God. C'est le temps de vivre avec les principes du royaume de Dieu. It is time more than ever before to manifest the principles of God's kingdom. Et c'est le temps, la Bible le décrit comme les temps des premières douleurs de l'enfantement. The Bible describes this period as the beginning of birth pangs. Et on a besoin de toute notre force. We need all of our strength. On a besoin de toute notre énergie. We need all of our energy. On a besoin de tout notre entraînement. We need all the training we can get. Pour donner naissance. In order to give birth. À ce que nous attendons. To the thing we're waiting depuis for. Si longtemps. For so long, we've been l'avènement waiting. Du Seigneur. Give birth to the coming of donc, the Lord. Donc l'Église est en travail. So, we can say that the church is in labor. Et c'est le début des douleurs. And it's the beginning of the birth pangs. Mais chaque femme enceinte, chaque maman qui est passée par ces moments-là. Now every woman who's already given birth. Chaque papa qui a accompagné sa femme dans ces moments-là. And every father that has accompanied his wife in giving birth. C'est très bien que quand il y a les premières contractions. Knows this very well. When the first contractions start. Il y en a une deuxième qui vient. There's a second contraction after that. Mais une troisième. And then a third une quatrième. One. And a fourth one. Et après, ça, c'est tellement douloureux qu'on ne compte même plus. After a while, it gets so painful, you forget counting the contractions. Mais on est concentré. And you focus, you're avec concentrated. Toutes nos forces. With everything that's within you. Avec toute notre intention. Every intention of your being. Sur la naissance du bébé. On the birth of that child. Et on ne fait pas cas des douleurs. And so we don't even think about the pain anymore. On est concentré sur la naissance. Because we have an objective. The sur birth. L'objectif. The goal. De façon à ce que le bébé naisse dans toute sa maturité. So that the baby comes forth sans in good aucun health, dommage. Without any damage. Amen. Amen. So. Et chose extraordinaire. Here's an extraordinary thing. Quand le bébé est là, quand l'enfant est là. Once the baby has arrived. Tu poses la question le lendemain à la maman. You can even ask the question the next day to the mother who gave birth. Et vraiment les douleurs c'est du passé. And she doesn't even remember the pain. Amen. Et même pour le papa. And even the father. Les broyages de main, tout ça c'est du passé. When his hand was being squeezed. Amen. Donc on va voir le positionnement que nous devons avoir en tant qu'Église dans ces temps de début des douleurs de l'enfantement. So we're going to take a look at what is the position of the church at this time where the birth pains are beginning. Et pour ça, je vais vous inviter à prendre Esther, chapitre 4.
For this purpose, we're going to look at Esther, chapter 4. Please follow along if you're reading in English. Vous êtes prêts? As Pastor Jean-Pierre reads it in French. Are you ready? Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se cachaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatak, drôle de nom, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Hatak se rendit vers Mardoché sur place, la place de la ville devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Et il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse, en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fît connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été apportées à Mardoché, Mardoché, très impressionné par les paroles d'Esther, ça c'est moi qui le rajoute, fit répondre à Esther: « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Ouh là là. Donc nous voyons ici, dans le livre d'Esther, vraiment un parallèle avec le peuple de Dieu. We see a real parallel in the book of Esther with the people of God. Donc ici, ce qui est étonnant, c'est que Esther voit que le peuple de Dieu était dans une grande détresse. At this point in history, Esther notices that her people are in great distress. Et en fin de compte, donc le diable, à travers Aman, avait prévu de détruire le peuple de Dieu, de détruire le peuple juif. In fact, the devil was going to use Haman to destroy the Jewish people. Et ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est que Esther voit effectivement que son peuple est dans le jeûne et la prière. And Esther is calling her people to fast and pray. Elle voit que son tonton Mardoché est dans le sac et la cendre. And she sees her uncle Mordecai in sackcloth and ashes. Et chose étrange, elle voit ça, elle constate la détresse de son peuple. And she's observing all of the distress among her people. Mais fait très intéressant, on dirait qu'elle ne sait pas pourquoi. But it seems that she doesn't know why. Donc ce passage nous dit qu'elle va faire demander par Hatak le eunuque
Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans le sac et la cendre? So she sends her servant, the eunuch, to ask, why is everybody in mourning in sackcloth and ashes? Il semblerait qu'elle était bien en sécurité dans la maison du roi. Because here she was in security in the king's palace. Et était complètement ignorante des ennemis de son peuple. And she was totally oblivious to the enemies coming against her people. Et ensuite, donc, Mardoché lui révèle la situation. And that's when Mordecai revealed the situation to her. Et il lui dit, OK, maintenant, voilà ce qu'il faut que tu fasses. And this is how he counseled her. This is what you need to do, Esther. Bon, je comprends très bien que l'info n'a pas été jusqu'à toi, mais maintenant, elle est jusqu'à toi. So, her uncle was saying, all right, I understand why you didn't know what was going on, but now you know. Donc, maintenant, c'est à toi d'agir. Now you need to act. Et Esther donne la réponse à Mardoché. And this is how Esther replies to Mordecai. Mais sa réponse est vraiment très étrange. It's kind of a strange response. Elle ne parle pas du tout de la mise à mort de son peuple. She's not even talking about the threat to her people. Mais elle parle de sa menace à elle. She is talking about the threat coming against her. Si jamais elle fait ce que Mardoché a demandé. Because if she does what Mordecai asks her to do. Et donc c'est un peu cet épisode me fait penser à notre église des temps des pays dits libres. She's actually risking her life, and this made me think about the church in our day in so-called free countries. Donc là, nous, on est bien tranquille dans la maison du roi, si je puis dire. We're in the palace of our king, to make a parallel. Et on sait bien qu'il y a une église persécutée quelque part au loin. We're comfortable. We know that somewhere in the world there is a persecuted church. On sait très bien qu'on a un ennemi. We know there's an enemy. Qui ravage l'église persécutée au loin. Who is doing great damage among the persecuted church in the world. Et que nos frères et sœurs, une fois par an, on se rappelle que nos frères et sœurs dans l'église persécutée vit quelque chose de dramatique. And once a year we have a special Sunday where we remember about what all of our brothers and sisters are suffering if they are part of the persecuted church. Ils sont haïs, ils sont regardés comme des brebis qu'on amène à la boucherie. And we understand they're hated, they're threatened, they're like sheep going to the slaughter. Mais nous ici, on n'a apparemment pas trop de problèmes avec notre foi. But here, we're comfortable. We're not too threatened with our faith. Et j'aimerais dire, pour l'instant. All I need to say is, that's for the time being. Et nous, l'Église, on est un peu comme Esther. The church of today is a little bit like Esther initially was. Aussi longtemps qu'on ne fait pas de bruit. As long as we don't make waves. Aussi longtemps qu'on est obéissant. As long as we obey the laws. Aussi longtemps qu'on est silencieux. As long as we keep quiet. On n'aura pas de problème. We won't have any problems. We'll be safe. Ça, c'était avant. But that was before. Car nous vivons les première douleur de l'enfant. Because now we're in the period of the early birth pangs. Et Dieu veut nous préparer. And God wants to prepare us. Fait intéressant aussi dans cet épisode, dans cette lecture du chapitre 4. Another interesting thing in chapter 4. Et même dans tout le livre d'Esther. Et je vous encourage vraiment à lire tout le livre d'Esther. And throughout the whole book of Esther. Let me encourage you to read it this week. On voit ici un autre type de l'Église d'aujourd'hui. We see a different type or representation of the church of today. On voit deux générations. Two generations. La génération de Mardoché. We see the Mordecai generation. Et la génération d'Esther. And the Esther generation. La génération, j'allais dire l'ancienne génération. A former generation, the Mordecais. Qui est sur le point de passer le relais. Who is preparing to pass the baton. Et la génération d'Esther qui est sur le point d'attraper le relais. And the Esther generation that is preparing to receive the baton. Et peut-être cette génération d'Esther n'a pas vécu le travail de la génération de Mardoché. Now perhaps the Esther generation has not experienced all the work that the Mordecai generation has done. Et ça c'est normal parce que la génération de Mardoché elle avait un but, c'était de protéger la génération d'Esther. But that is normal because the Mordecai generation's goal was to protect the Esther generation. De l'enseigner, de l'entraîner. Teach her,
train her. Et de faire en sorte que la génération d'Esther sache comment s'approcher du roi. And teach her how to approach the king. Sache comment avoir une intimité avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Make sure that she knows how to have intimacy with the king. Et c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui dans notre église. And that's very much what we as a church experience these days. Et je remarque quelque chose dans notre église, il y a une particularité. There's a special characteristic in this church. L'ADN du bon berger, c'est la présence de Dieu. It's part of our DNA. On aime tellement la présence de Dieu. About the presence of God. We la prière, love l'adoration, the presence of God, les fontaines, worship, prayer, la présence fountain, de Dieu. Everything centered sentir around the presence of God. Les bras de Dieu, sentir les bisous de Dieu. Being able to feel the embrace of the Lord. Ça, on aime ça. We love that. Et c'est notre ADN, ça fait partie de nous. That's part of who we are. On aime aussi la parole de Dieu. We love the word of God too. Et on a enseigné nos enfants, nos petits-enfants, à aimer la présence and de Dieu. And we teach our children to love the presence and love the word. Et même aujourd'hui, c'était la première journée où il y avait ce temps où on appelle l'invitation. Today was the first day from 9 to 9:30 that we had what was called the invitation. Pendant une demi-heure, de 9h jusqu'à 9h30. For 30 minutes. On invite le Saint-Esprit. We just invited the on invite Holy Spirit. Notre Papa Céleste. We invited our on a Heavenly tellement Father. Faim et soif de sa présence. We expressed to him our hunger, our desire, our thirst. Et je vois more. Même cette faim dans le groupe des jeunes adultes avec Rise Up. And I see that kind of hunger in the young adults group when telle we rise faim up de la présence de Dieu, de Seigneur, on veut te toucher. We know that there is a generation hungry for on God's veut toucher presence. Le vrai de ta présence. The authentic presence on of God. On veut te connaître de façon intime. A generation that wants to know God intimately. On veut pas vivre avec le faux, on veut vivre avec le vrai. We don't want to live just a superficial Christian life. We want authentic Christian. Et même cette partie de notre église a été touchée à un moment donné, a été attaquée. And even that whole sector of our church was very dramatically attacked. Mais elle a survécu parce qu'elle voulait le vrai, elle voulait la vérité, elle a rejeté le mensonge. But that demographic was able to overcome because it wanted the presence of et God. Et nous avons été entraînés en tant qu'église. And so we have been trained as a church. Et maintenant nous voilà. And here we are today. Dans ce jeûne de 2021. In the Daniel fast of 2021. Où il y a ces deux tendances. Where we see two tendencies. Cette tendance de la présence de Dieu. The tendency that seeks the presence of God. Cette présence de ce qu'on appelle le comment on appelle ça le dwelling mais j'ai le nom. Oui, demeurer, mais autre chose. Soaking. Oui, voilà, c'est ce soaking. It's an English word. Soaking. Et j'aime voir ça dans mes enfants, j'aime voir ça dans mes petits-enfants, j'aime voir ça dans la génération qui nous succède. I love to see that in the heart of my children and my grandchildren, the generations coming after us. Et ça, c'est bien. It's wonderful. Mes frères et sœurs. But, brothers and sisters. On vit un temps. We are in a time où Dieu dit, OK, c'est bien. Where God has said, yes, that's great. C'est bien, Esther, t'as appris à venir dans ma présence. Esther, you've learned how to come into the presence of the king. T'as appris à aimer mon intimité. Esther, you've learned how to enjoy intimacy with the king. À être passionnée, à ressentir ma présence. Esther, t'as bien appris. You've learned how to be passionate about the king's presence. Mais Esther, écoute. But listen now, Esther. J'ai fait ça pour un but. I did all of that for a very specific goal. Tout ça, c'était de la préparation. All of that you have experienced is part of your pour preparation. Pour ce temps dans lequel tu vas vivre. For the times that you are coming into. Et maintenant, avec la génération qui te pousse. Now with the generation that's behind you, supporting you. Je veux que tu apprennes la guerre. I need you to learn war. Oui, pour les bisous. Yes, continue to enjoy the embrace. Oui, pour of the les guili-guili. Yes, the wonderful warm fuzzy feeling. Mais absolutely. Oui aussi. But pour l'épée de l'esprit. The sword of the spirit is part of that. Pour le bouclier de la foi. The shield of faith. Pour les jeûnes et les prières. Fasting, prayer. Pour une intercession fervente et sauvage. Fervent
fervent intercession, ferocious qui fait reculer les puissances des ténèbres. That pushes back the power of darkness. Car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Because we are not fighting against flesh and blood. Mais contre les autorités. But against the authorities. Contre les puissances des ténèbres. And the powers and the principalities of darkness. Et oui, je vous ai appelé. Yes, I've called you. Génération d'Esther. Esther generation. À savoir comment venir dans la présence du roi. I've taught you how to come into the presence of the king. Oui, je vous ai appelé. Yes, I've called you. À aimer mon intimité. To love these times of intimacy. À aimer la sainteté. To love the holiness of God. À aimer l'intégrité. To love the integrity of God. Mais je vous ai appelé aussi. But I have also called you. À prendre le casque du salut. To take the helmet of salvation. La ceinture de la vérité. And the belt of truth around your le bouclier loin. De la foi. And the shield of faith. Les chaussures du zèle de l'évangile. And to dress, l'épée de l'esprit. Your feet with the gospel and the sword of the spirit. Afin que vous teniez dans le mauvais jour. So that you stand firm in the car evil oui, day. C'est un mauvais jour. Yes, this is an evil mais day. J'appelle mon église. But I'm calling my church. Cette église sans tache ni ride. A church without spot or wrinkle. Cette église passionnée. A church passionate. À se tenir avec les armes offensives et défensives. And ready to take a hold et à of faire the reculer l'ennemi. And cause the darkness to flee. À être plus dur que l'adversité. And even overcome adversity. Yes. That's what I'm talking about. Justement, une église prophétique. That's it. It's about being a church that is prophetic. Une église audible. A church that makes her voice heard. Une église qui n'a pas peur. A church that is not afraid de perdre ses avantages. To lose her comfort and advantages. Si c'est pour faire un compromis avec ce qui est vrai. And especially unwilling to compromise. Amen. Église de Dieu, Dieu t'appelle et Dieu te prévient. Church of the living God, God is calling you. God is warning you. Prépare-toi car les jours sont mauvais. Prepare yourself because these days are evil. Mais prends courage. But take courage. Prends courage. Take courage. Car j'ai vaincu ton ennemi. I have overcome your enemy. Et je t'ai donné des armes puissantes. And I've given you powerful weapons. Des armes offensives et défensives. They are for your offense and for your defense. N'aie pas peur. Do not be afraid. Car je suis avec toi. Because I am with you, says et the Lord. Et je reviens bientôt. And I am coming shortly, says the Lord. Mais prépare-toi. But you've got to be prepared. Prépare-toi. Prepare yourself. Prépare-toi. Prepare yourself. Je t'ai appelé pour ce temps. I have called you for such a time as this. Comme dit Mardoché à Esther. The same words that Mordecai said to Esther. Qui sait, ce n'est pas pour un temps comme ça que je t'ai préparé. Who knows if it wasn't for such a time as que je this t'ai appelé. That I called you to this place. Le diable sait qu'il a très peu de temps. The devil knows he has il so sait que little ses time. Jours sont comptés. He knows that his days are numbered. Et je ne pense pas que ce soit en matière de siècles. I don't think it's a question of centuries anymore. Je pense qu'il est question d'années. I think it's a question of years. Mais nous sommes au début. We're just at the beginning of birth pangs. C'est pour ça qu'on a besoin d'une église apostolique. That is why we need to be an apostolic church. Sans l'église apostolique, nous ne tiendrons pas, frères et sœurs. Because without being an apostolic church, we will not be able to endure. Mais une église apostolique ne pourra pas naître. An apostolic church can't even be birthed. Si les hommes ne prennent pas leur place. If men don't take their place. Écoutez-moi bien. Listen to me, my je brothers. Je n'ai pas dit si les hommes et les femmes. I did not say men and women today. J'ai dit si les hommes I ne prennent pas leur place. I specifically said if the men in this church don't take their place. Amen.
Trop souvent dans nos réunions d'intercession. All too often in our intercession meetings. Il y a très peu d'hommes. There are so few men. Très peu d'hommes. Very few men. Des fois, j'ai envie de crier dans les réunions d'intercession. Où sont les hommes? Sometimes I find myself surrounded by my sisters and les hommes de Dieu? I want to say, where are the men of God? Où sont les hommes de prière? Where are the men of prayer? Où sont les Mardoché? Where are the Mordecais? Come on. Où sont les Élie? Where are the Nehemiahs? Cette voix prophétique. Where is the prophetic voice? Qui fait reculer les puissances des ténèbres. That is pushing back the powers of darkness. Et je crois qu'il y a une invitation spéciale pour les hommes ce jeudi. This Thursday night, I believe God is going to do something exceptional in the men. Depuis le début du jeûne, on vous dit que on demande à ce que au moins un représentant du couple soit présent le jeudi. From the beginning of this fast, we have said over and over, we want at least one representative of every couple present on Thursday nights. Donc les gars, vous avez eu l'opportunité d'envoyer pendant deux jeudis vos épouses. Now listen to me guys, you sent your wives for the last two Thursdays. OK, ça veut dire que jeudi tu seras là mon gars. That means it's your turn this Thursday. J'aurais souhaité avoir plus d'applaudissements d'hommes. I would have liked to see some of the brothers clapping when I say that, or at least say amen. Ça veut dire frère, tu seras là jeudi. I'm speaking to you brother, you need to be here Thursday. Et you will be si here. Tu fais partie de la génération montante. Especially if you are a part of the up-and-coming generation, you need to be here. Dieu va faire un déversement jeudi. God is going to pour out His Spirit upon you this Thursday. Et comme du temps d'Esther, as in the time of Esther, Dieu donne des nouvelles armes à son église. God is equipping His church with new weapons. Vous savez ce qu'a fait Esther? You know what Esther did? Quand elle a réalisé l'appel qu'elle avait, ce qui est bien, c'est qu'elle a réalisé. You know, when she realized how comfortable she was, good thing she realized it. Quand elle a vu que de toute façon il n'y avait pas de négociation possible, she realized there was no longer any place for negotiation. Elle a écouté son aîné. She listened to the voice of her counselor. Et d'elle-même, and in her own heart, elle a proclamé un jeûne. By her own will, she was the one that announced a fast. Mais Esther, elle a pas fait semblant. She didn't just pretend. Elle a proclamé un jeûne, l'un des jeûnes les plus difficiles. She declared one of the most difficult fasts. D'ailleurs, nous l'appelons le jeûne d'Esther. And we do call it the Esther fast in our day. C'est-à-dire que tu ne bois pas et que tu manges pas pendant trois jours sans boire. For 3 days, no food and no water. That is tough. L'un des jeûnes les plus difficiles. These are very difficult fasts. Mais aussi l'un des jeûnes les plus efficaces dans l'adversité. Now, some fasts are difficult, but some are very effective as well in adversity. Esther a pris une nouvelle arme pour sa génération. So for her generation, Esther took this new weapon. Et elle s'est positionnée, elle a mis sa vie en danger. She even risked her life. Non seulement elle a proclamé un jeûne. Not only did she proclaim a fast. Sur tout le peuple juif. Over the entire Jewish people. C'est-à-dire qu'elle a initié une nouvelle façon de prier. She also initiated a whole new way of praying. Un nouveau niveau d'intercession. A whole new level of intercession. Et en tant qu'église apostolique, il faut qu'on osse le niveau d'intercession. And listen, if we want to be an apostolic church, we need to take it to the next level of intercession. Avec des hommes fervents. Fervent intercession with men who are fervent. Et des femmes ferventes aussi. And women who are fervent. Amen. Amen. Mais tout ça pour un but. But all of this has a goal. Pour préparer l'avènement du Seigneur. To prepare for the return of the Lord. Dieu compte sur toi. Listen. God is counting on you. Pour être cette voix prophétique. To be His prophetic voice. C'est quoi une voix prophétique? So, what is a prophetic voice? La Bible dit que l'esprit de la prophétie c'est le témoignage de Jésus. The Bible says that the spirit of prophecy is the testimony of Jesus. Et dans toute l'histoire de l'Église, nous avons été une Église prophétique, même peut-être sans le savoir.
And throughout history, we have been a prophetic church, perhaps even without realizing it. Témoignage de Jésus, Jésus sauve. What's the testimony of Jesus? Jesus saves. Jésus guérit. Jesus heals. Jésus délivre. Jesus delivers. Et Jésus revient. And Jesus is coming back. Donc, génération, repentez-vous. This generation, repent. C'est ce qui doit être dans la bouche de l'Église de Jésus-Christ en 2021. Those are the words that need to be in the mouth of the church that speaks to this generation in 2021. Listen, Jesus saves. Jesus heals. Jésus délivre. Jesus delivers. Et Jésus. And Jesus is coming back. Amen. Amen. Positionnement. It's all about positioning. Positionnement de l'Église de 2021. The positioning of the church of 2021. Donc on va entamer un chant. We're going to come to a time of worship now. Et pendant ce chant, vous allez chacun d'entre vous pour votre part. As we sing this song, each of you as individuals. Vous positionnez. You will position yourself. Positionnez même votre famille, votre foyer. And you will position your household, your family. Amen. All right. Et ensemble, on va se positionner en tant qu'Église. That's what we're going to do. And then together, we will be positioning ourselves as a church. Car les jours que nous vivons sont des jours glorieux. Because the days ahead for the church are going to be glorious. Parce que Dieu est de notre côté. Because God is with us. He's on our side. Amen. Amen. Alléluia. Thank you, Lord. Ta croix, je ne retiens rien, ma vie, mes choix, prends tout.
let's make that your prayer this morning. Faites de cela votre prière ce matin. Come on, engage your heart, engage your soul. Engagez votre âme, engagez votre cœur. Can we just pray that out loud together? Et prions cela ensemble. Lord, I give you all. Seigneur, je te donne tout. I give you all. Je te donne tout. Come on, say it out loud with me this morning. I give you all. Dites-le à voix haute ce matin. Seigneur, je te donne tout. Take it all, Lord God. Prends tout. Hallelujah. All that I have, all that I am. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis. All that I hope to have and all that I hope to be. Tout ce dont j'espère être et j'espère d'avoir. Hallelujah. Seigneur. Father God, take my present, take my past, take my future. Seigneur Dieu, prends mon présent, prends mon passé, prends mon avenir. Precious Jesus. Precious Jesus. I want to pray a special prayer over everybody who's under 35 years old. Je veux prier une prière spéciale pour ceux qui sont de plus de 25 ans, moins de 25 ans. 35. Okay, if you're under 35 years old. Si vous avez moins de 35 ans. Put your hands over your eyes right now. Mettez vos mains sur vos yeux maintenant. Come on, all over this place, just put your hands over your eyes. Partout dans la salle, mettez vos mains sur vos yeux. I command your eyes to be opened in Jesus' name. Je commande à vos yeux d'être ouverts au nom de Jésus. That your eyes would see the glory of God. Que vos yeux voient la gloire de Dieu. That your eyes would see the plan of God. Que Dieu voit, que vos yeux voient les plans de Dieu. That your eyes would see the world as God sees the world. Que vos yeux voient le monde comme Dieu le voit. And that you would see the church as God sees the church. Que vous voyez l'église comme Dieu voit l'église. And that you would see yourself as God sees you. Et que vous voyez vous-même comme Dieu vous voit. And in Jesus' mighty name. Et au nom puissant de Jésus. I break the spirit of blindness off your eyes. Je brise, l'esprit de cécité de vos yeux. I break that fog that has surrounded and enveloped you. Je brise ce nuage qui vous a enveloppé, qui vous... And I declare, I speak of you the light of God. Et je déclare et je parle sur vous la lumière that restores spiritual vision. Qui restaure la vision spirituelle. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Oh, praise God. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. You know, the Bible also says that old men will dream dreams. Et la Bible dit aussi que tous les hommes feront des rêves. Right. So you're not old if you're 36. Vous n'êtes pas vieux si vous avez 35 ans. 36. You're older than 35, okay? Vous êtes un peu plus âgé que 35. So put your hand over your heart. Alors, mettez votre main sur votre cœur. You're coeur. Over 35, put your hand on your heart. Si vous avez plus de 35 ans, mettez votre Hallelujah. Main sur Father, votre cœur. In the name of the Lord Jesus Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Father, I speak over the heart of everyone over 35 years old. Je prie pour tous ceux qui ont plus de 35 ans. I declare to you, receive the visions and the dreams of God. Je déclare sur vous, recevez la vision et les rêves de Dieu. Receive the dreams and the visions, not for yourself, but for those who are behind you. Vous recevez les rêves, les visions, pas pour vous-même, mais pour ceux qui sont derrière vous. That you receive the dreams of God that He has for your children and your children's children. Vous recevez les rêves que Dieu a pour vos enfants, les enfants de vos enfants. You don't see the church just as she is today, but you see her as she will be in 20 and 30 years. Vous ne voyez pas l'église comme elle est aujourd'hui, mais comme elle sera dans 20-30 ans. And I break over you all self-centeredness. Et je brise sur vous tout égocentrisme. Where you have built only for yourself and your generation. Où vous avez juste bâti pour vous et votre génération. And I release over your heart today. Et je libère sur votre cœur aujourd'hui. Excuse me, I break the chains that are on your heart today. Je brise les chaînes qui sont sur votre cœur aujourd'hui. That have kept you bound up. Qui vous ont gardé liés, so that you would not receive the dreams of the Lord. De façon à ce que vous ne receviez pas les rêves. Hallelujah. And I declare in Jesus' name je déclare au nom de Jésus, that for those of this generation
ceux de cette génération. You will not lose another day. Vous n'allez pas perdre un jour de plus. You'll not lose another year. Ni une année de plus. Next year, when we are in the Daniel fast, l'année prochaine, au jeûne de Daniel, I declare of you, you'll not look back over the last 365 days and with regret. Vous n'allez pas regarder aux 365 jours passés avec regret. No, in the name of Jesus. Non, au nom de Jésus. Looking over your past with regret is over. Regardez au passé avec regret, c'est terminé. You move now into the dreams of God. Maintenant, vous avancez dans les rêves de Dieu. Woo! Come on, come on. Amen. Yes. Amen. You're not going to be crying and weeping anymore because you think that you're missing out on something. Vous n'allez pas crier, pleurer parce que vous pensez avoir raté quelque chose. No, you are entering into the dreams of God. Non, maintenant vous entrez dans les rêves Hallelujah. De Dieu. And that dream is to prepare for what's coming behind you. Et ce rêve vous prépare à ce qui a devant vous. Derrière vous. Voilà. Hallelujah. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Oh, precious God, can we just say amen to this? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. 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 Do your work in us, Lord. Do your work in us. Fais ton travail en nous, Seigneur. Come on, if you know how to pray in the Spirit now. Si vous parlez en langue, priez dans l'esprit maintenant. Even those of you that are at home, it is not time to go get a cup of coffee. It's time to focus. Même vous à la maison, c'est pas le temps de prendre une tasse de café, mais focaliser. Stay connected. Restez connecté. Service isn't over. All right. Jusqu'à ce que ça soit Stay connected. Restez connecté. Come on, lift your voice. Pray in the Spirit. Élevez votre voix et priez dans l'esprit. Oh, rababashiroto soto rabakapreta kios. Let the Lord release a new faith in your heart this morning. Que le Seigneur libère une foi nouvelle dans votre cœur ce matin. Hallelujah. Ko raba sata raba baba yitere kiero to raba baba baba. Ko re teri shiko ronda sapara de breki taraba baba baba yes. Ko re te teri shiko ropo tore tasi. Konde dre gushika da raba baba baba yes. Ko re mama mama. For thus says the Lord, Esther needed Mordecai. Le Seigneur dit Esther avait besoin de Mardoché. And Mordecai needed Esther. Et Mardoché avait besoin d'Esther. Because this is the divine plan from the Father yes. in heaven. Parce que c'est le plan divin de notre Père dans le ciel. For the accomplishment yes. of His purposes on the earth. Pour que accomplir les desseins dans cette sur cette terre. So the Mordecai generation of today must repent from mistrusting. The Esther generation. Et la génération Mardoché doit se repentir de ne pas avoir fait confiance dans la génération d'Esther. And the Esther generation needs to repent for not trusting the Mordecai generation. Et la génération d'Esther doit aussi se repentir de ne pas avoir fait confiance à la génération Mardoché. Let's do that together here in this room and at home. Faisons-le ensemble ici dans cette pièce et à la maison. Yes. Father, in the name of the Esther generation right now. Père, au nom de la génération Esther maintenant. We repent from mistrusting our elders. Nous nous repentons de ne pas avoir fait confiance dans nos aînés. We repent from every form of pride. Nous nous repentons de toute forme d'orgueil. Which was expressed or hidden. Que cela soit exprimé ou caché. We set aside our prejudice. Nous laissons de côté toute forme de préjudice. And we renounce every form of judgment. Et nous renonçons à toute forme de jugement. Of this generation that is behind, that is older than us. De cette génération qui est plus âgée que nous. And we open our hearts and our ears. Et nous ouvrons notre cœur et nos oreilles. To the voice of wisdom. À la voix de la sagesse. To the voice of counsel. À la voix du conseil. To the voice of discernment. À la voix du discernement. That comes from the Mordecai generation. Qui vient de la génération Mardoché. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The
And Father, we overturn every fortress that has been established. Et Seigneur, nous renversons toute forteresse. Every word of cursing that has come forth. Toute parole de malédiction. In these last several years. Dans ces dernières années. Between the generations. Entre les générations. Father, we repent for every word of cursing that's gone on. Père, nous nous repentons de toute parole de malédiction. We pray, Father God, for those that have done the cursing and have departed. Nous prions pour ceux qui ont fait ces paroles de malédiction. But those words continue to linger on. Et nous ne tenons plus compte de ces paroles. Les paroles continuent après leur départ. Voilà, flotter dans l'air. And Seigneur, today in the mighty name of Jesus, et Seigneur, au nom puissant de Jésus, thank you that by your mercies and by your grace, merci parce que par tes miséricordes, hallelujah, Lord, you neutralize every word of death that has been spoken. Tu neutralises toute parole de mort qui était in the name of Jesus, au nom de Jésus, and we release the words of life, et nous libérons des paroles de vie, in the name of Jesus, au nom de Jésus. Praise God. Thank you, Father. Merci. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Oh, rabasata rabashikete bis. Hallelujah. Precious Jesus. Hallelujah. Oh, rabasata rabashikete bis. Hallelujah. Pasteur Jean-Pierre, juste, il ne reste quelques minutes encore avant de partir. We have a few minutes left before the end of this service. J'aimerais peut-être juste, si on peut, si vous me permettez, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce que tu as dit à la fin au sujet des hommes. I would like to come back to one thing that you said towards the end about men. Et parce que je crois que c'est vraiment essentiel que ce message soit vraiment bien reçu, bien ancré dans le cœur. I really believe that this message needs to be anchored, rooted in the hearts. Parce que je crois que tu vois, Dieu nous ouvre une fenêtre. God is opening a window. Dans les temps. In time. Ici dans notre société, on est tellement habitué à avoir une pub, une demande, une sollicitation. In this generation, we're so used to getting ads and requests and demands. Et on se dit, je verrai ça demain. And our tendency now is to swipe it off and say, après, I'll look at that on tomorrow. Oublie. On oublie, et puis quelques semaines plus tard, and then a few weeks later, dit, c'est vrai, je voulais faire ça. I wanted to do that, but on cherche partout, on trouve le numéro. And we're looking back to see if we can find the number. Est-ce que c'est trop tard? And we wonder, oh, is it too late now? J'aimerais bien profiter I wanted to take care, I wanted to take advantage of this deal. And then it's too late. Trop souvent, c'est pas trop tard. C'est ça le problème. That's the problem. It's not too late. On dit, parce que c'est toi qui demandes. Because you're the one asking. Quand même, je t'aime. I love you. Je veux vraiment que tu en profites. I want you to take advantage of this. Et bien qu'on a déjà fermé la fenêtre. Even though the window is closed. Mais pourtant, je fais une exception. But I'm going to make an exception for you. Et je crois vraiment, au fond du cœur de tout le monde. I believe this with all my heart. On croit que nous méritons cette fenêtre. We believe that we deserve que quelqu'un nous ouvre une deuxième fois à la fenêtre. For that window to be opened a second time just for us. Et ce que je reçois dans mon cœur, la fenêtre s'ouvre ce jeudi soir et puis point final. But this après is la what, fenêtre wow. ferme. This is what I hear in my spirit. Wow. This Thursday night, God is opening the window, but then he's going to close it forever. L'Église de Montberger, nous avons une invitation du ciel de faire un pas en avant. We are being invited by heaven to take a step forward together as a church. Et il y a quand même un bon pourcentage qui négocie encore. And there are still some of you who are trying to negotiate with God on that whole issue. Parce qu'on n'est pas habitué à souffrir des conséquences. Because we're not used to the consequences of our choices. L'Église va continuer. Church will go on. Il y aura de bons messages. There will be great messages. Il y aura un bon louange. There will be great praise and worship. Blah, blah, blah. Des bons frères et sœurs. There will be fellowship. Tu vois, pourquoi me donner la peine de répondre à cette invitation? So why do I have to respond now to this invitation? Est-ce que tu peux parler à ça? Il nous reste quand même 5-8 minutes. There are 5 minutes. I Et want Pastor Jean-Pierre to talk about this. Et puis après, j'aimerais qu'on prie ensemble dans cette direction.
And then we're going to pray for that specific issue together as a church. Bah, t'as déjà même par la façon d'aborder la question, t'as déjà en partie répondu. You've actually touched on the subject partially in your question. Et même dans ton explication, je voyais vraiment que c'était. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est dit qu'il y a les vierges folles et les vierges sages. Matthew 25 talks about the foolish virgins and the wise virgins. Do you remember that? Et les vierges sages, dès qu'il y a un appel, elles répondent tout de suite. Ouais. The wise virgins responded to the call immediately. Même si elles sont assoupies, parce que les deux catégories étaient assoupies pour un temps. Now, don't forget, in both cases, the virgins were falling asleep. Okay. Même si elles sont assoupies, mais elles ont fait quelque part leur devoir, si je puis dire. But the wise virgins did what was necessary. Elles ont maintenu l'huile. They kept dans leur lampe. The oil in their lamps. Mais comme justement il y avait cette fatigue, elles ont maintenu l'huile juste assez pour elles. But they were tired, so they only had enough oil for themselves. Dans d'autres temps, elles auraient pu mettre de l'huile pour les autres aussi. However, in other times, they would have thought about getting oil for everybody. Les temps sont tellement particuliers, il y a tellement de fatigue qu'il y a juste assez pour elles. But on that particular day, all of those virgins were tired, so they only thought of themselves. Et c'est ça le problème avec les vierges folles. And here's the problem with the foolish virgins. C'est qu'elles comptaient toujours sur les vierges sages. The foolish ones were counting on the wise ones to give them oil. Qui payait toujours le prix. Because they knew the wise virgins paid the price. Mais mon gars, surtout mon gars, je te dis pour ce jeudi. My brother, I want to talk to you about Thursday. Ne sois pas une vierge folle. Don't be ce jeudi. Like a foolish virgin. Parce que Dieu va déverser simplement sur les vierges sages. Because God is going to pour out oil on the wise ones. Yeah, yeah. Et quand tu vas voir ce que le Seigneur va faire, and when you start to see what the Lord's going to do, il n'y aura pas assez pour toi. There won't be enough oil for you. Parce que les temps que nous, auxquels nous allons faire face sont des temps durs. The times we are facing are difficult times. Wow. Et chacun doit être sérieux avec sa vie. And everybody needs to take their lives seriously. Et prendre en considération l'appel du Seigneur. And take into consideration the calling of God at this moment. Est-ce que je vais mépriser l'invitation du Seigneur, la convocation? To despise that calling, it's a holy convocation. Est-ce que je vais passer à côté de ce que Dieu va faire dans les hommes du Bon Berger ce jeudi? Am I going to miss what God is doing in the hearts of the men at Bon Berger this Thursday? Et bien sûr, les femmes, vous n'êtes pas exclues. Dieu est inclusif. Oui, ladies, amen, not excluded. Amen, okay, sœurs. Si vous pouvez venir, il faut venir, les sœurs. Amen. If you are able to come, absolutely, please come. Faites ce que well. Vous avez toujours fait, les sœurs. Alléluia. Just do what you've always done and be there. Mais toi, mon gars, qui est toujours resté derrière. But here's the thing, guys, those of you who stay behind. Peut-être qui dit, je suis pas à ma place. Maybe you even have a feeling like you're not in the right Dieu place. Appelle tous les hommes. But God is calling every man. Les faibles, les forts. Strong, weak. Les zélés, les paresseux. The zealous ones, the lazy ceux ones. Ceux qui ont plein d'excuses, ceux qui n'ont pas d'excuses. Those that make excuses, Dieu t'appelle ce jeudi pour te transformer. God is calling you to this place. Et pour déverser son esprit en toi. To transform your life and pour pour que tu sois cet homme de Dieu, so that you would truly become Amen. That man Dieu of God a prévu avant la that God has conceived yes. you, il has conceived a fait you de te faire naître dans cette période. He is Alleluia. The one that made you to be born in this pour time. Déverser quelque chose de particulier sur toi, to pour out something very special upon your life this Thursday. Donc je sais pas si j'ai beaucoup insisté. So, I don't know if I underlined the importance of it enough. J'ai compris l'invitation. Amen, but amen. I hope you understood Alleluia. The invitation J'espère from God. Amen. 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 Ça, c'est simple, tu veux rajouter? Oui. Vas-y. Au fait, pendant que tous les deux vous étiez en train de parler, au fait, il y a une parabole qui m'est venue. Au fait, il y avait une grande invitation à un banquet. There was a parable in the Bible that I thought of during your exchange. There was a banquet. En fait, il y a trois types de personnes qui ont donné des excuses. And many were invited to the banquet, but there were three kinds of people who gave three different kinds of excuses. Mais l'excuse était justifiable. But you could say that their excuses were totally justified. Mais ils ont passé à côté de l'invitation. But because of their excuses, they missed the invitation. Des fois, c'est ce qui se passe. Mon travail, ma famille, mes enfants. And that's the kind of thing that can really withhold the blessing of God from him, because you make excuses. My work, my family, my children. Les hommes. Listen, guys. Passons pas à côté de ce que Dieu veut faire. Don't
miss what God wants to do this week. Depuis des années, nous entendons nos pasteurs se lever et de dire les hommes doivent se lever. Every year, for so long, we hear our pastor stand up and say in the microphone, "Listen, men, you need to rise up." Alors, quand est-ce que nous allons le faire? So, when are you going to rise up, brothers? La question que tu devrais te poser, c'est, je vais juste dire quelque chose rapide. Je me pose toujours la question quand je serai devant Jésus, quelle sera mon excuse? This is the question I ask myself. What excuse will I give to Jesus when I find myself before him? Est-ce que c'est le travail que tu m'as donné? Am I going to say to him, well, you gave me this job? Est-ce que c'est la femme que tu m'as donné? Or you gave me this wife? Ou est-ce que c'est les enfants que tu m'as donné? Or you gave me these children, Lord? Pensez-vous que ce sera justifiable devant Jésus? Do you think that that is justified in the eyes of God? Oh mon Dieu, mon Dieu. Think about it. Répondons à cette invitation. Yeah, amen. Let's respond to the call of God, to the invitation of God. À ce saint prix, ensuite, Pasteur Jean-Pierre. We're going to let Pasteur Samuel and Pasteur Jean-Pierre pray. J'aurai juste un petit mot de clôture. Okay. Prions tous. Père, nous te remercions pour cette grâce. Father, thank you for your grace. Merci pour nos pasteurs qui ont la sensibilité d'écouter le cœur de Dieu. Thank you for pastors who hear the heart of God. Et nous te remercions que nos hommes dans notre église vont entendre la voix de Dieu qui résonne. Thank you because the men in this church will hear the voice of the Lord. Et que Jésus nous serons assemblés ensemble. And Thursday we will be all together. Avec nos sœurs comme d'habitude. With our sisters who are always there. Et voir la destinée de Dieu se libérer dans notre église, dans notre famille. And we will see the destiny of God released on our homes and our families. Seigneur, nous décrétons cela par la foi. We decree this in the name of Jesus. Au nom de Jésus. By faith. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour cette matinée. Father, thank you for this morning we've had together. Je te remercie, Seigneur, d'avoir déversé ton cœur. Thank you for revealing your heart. Et Seigneur, je prie afin que les paroles que tu nous as dites. Thank you that the words that you spoke to us. Personnellement, collectivement. As individuals and corporately. Puissent germer, porter du fruit. Amen. Would take root and bear fruit. Et du fruit qui demeure. And that this fruit should remain. Et Seigneur, je prononce une pleine bénédiction sur cette parole tout au long de cette semaine. I declare your blessing upon the word of God that was preached throughout the entire week. Je prie que cette parole fasse son chemin dans notre âme. That the word would take hold of our hearts and our souls. Dans nos pensées, dans notre imagination. Of our thoughts, of our imaginations. Jusque dans notre cœur, Seigneur. And be rooted in our lives. Seigneur, nous voulons plus. We want more, Lord. Nous voulons voir ton règne. We want to see your kingdom. Nous voulons voir ta gloire. We want to see your glory. Nous voulons faire partie de cette église glorieuse. And we want to be part of the glorious sans church. Without spot or wrinkle or any such thing. Et Seigneur, je prononce une pleine bénédiction sur tous ceux qui répondent à ton appel. I declare your blessing upon all those that respond to your call. Tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui prennent ta parole au sérieux. All those who take your word seriously. Et je prie que tu les bénisses au-delà de tout ce qu'ils peuvent penser ou imaginer. Bless them exceedingly abundantly beyond all they can ask or think. Dans le nom In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. 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 Amen.